C'est au New Moon où les heureux élus qui ont assisté aux ébats sonores de la Negra Bushbeat en sont encore restés quoi que nous avons eu l'idée d'en savoir plus sur ces gentils mauvais garçons du rock alternatif. Mais d'abord en fait, qui êtes-vous? Alors déjà c'est moi qui l'ai commencé. Déjà en tant que président du club musique, je pense que c'est important que moi la première qui s'appelle. En fait on n'aime pas trop dire président parce que pour nous on a plutôt été choisi comme chose. D'ailleurs quand c'est pas improvisé comme musique, on devrait être un club musique. C'est-à-dire qu'à partir de là, président, pas président, c'est plutôt là-haut que ça regarde, tu vois. Si on veut, nous on s'est rencontrés au Bahut, quoi. Ouais. Et puis voilà, on s'est dit... On est du Green Day, du Green Day. Ouais, voilà, et puis on s'est dit, bon, ouais, qu'on avait commencé à sécher les cours de maths, quoi. Pour franchement rentrer dans notre délire et inventer un univers. Faut filmer des joints, principalement. Ouais, non, ça me dit pas, ça. Ouais, d'accord. En fait, un matin, je me suis réveillé et... Et j'ai commencé à me doucher. Et là, j'ai chantonné un truc que j'avais entendu la veille. Et je me suis rendu compte que j'avais une super belle voix, quoi. Et puis, depuis ce jour-là, c'est tout ce que j'aime, quoi. Une prise de conscience, je dirais même plus une forme d'illumination, tu vois, une révélation, quoi. Si j'étais complotiste, je me dirais que c'était moi le reptilien. Oui, c'est vrai que moi, je suis arrivé sur tout, j'ai le Kevin Club Musique, donc voilà, je suis allé dans ce film. Mais c'est vrai que ça me choque un peu parce qu'on arrive, on s'accorde pas, il y en a qui sont en 440, donc... en 442, donc c'est vraiment gênant au niveau des oreilles, enfin, ça frotte. Au fait, dans le groupe, quel est le leader? C'est pas forcément facile de collaborer avec des guitaristes de seconde main ou avec des musiciens de ce type-là, surtout quand on est équipé d'un organe comme le mien. Voilà, moi j'aime bien dans ce groupe parce qu'on sent vraiment qu'on est la touche originale, qu'on a un peu la raison d'être. Donc c'est quand même assez gratifiant. Ça c'est une question qu'on se pose pas assez dans notre métier. Enfin, moi la basse, je savais très bien pourquoi la basse, d'abord parce que c'est le meilleur instrument de tous les temps. C'est-à-dire, moi quand je croise des gens ils me disent voilà la basse c'est une guitare à quatre cordes, non c'est pas ça, c'est bien plus que ça. C'est un instrument dont chaque vibration pénètre à la fois le corps et l'âme humaine. Et l'esprit. Voilà, et surtout l'esprit. Mais aussi, quand est-ce que sortira votre prochain album? Nous, je pense qu'on est sur quelque chose qu'on peut qualifier de monstrueux, quoi. Ouais, c'est ce que vous avez dévoilé. Voilà, le problème, je pense que le monde n'est pas prêt pour, ouais, pour ce qu'on a à dévoiler. Ouais, il faut imaginer que ça va durer 18 minutes, quoi. Simple, en effet, j'utilise que deux notes. Hein. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que. C'est le Do et le Fa. Non, je sais pas, c'est moi qui s'appelle. Et pour les albums, oui, si. On a fait déjà une dizaine de disques. Ouais. Bon, ils sont déjà pas sortis. Voilà. L'année passée, puisque l'année passée. Ouais. Mais c'est en projet, quoi. C'est notre projet. Mais d'abord, en fait, dans quoi peut-on les cataloguer?